Souvenez-vous du cas de Marie-Adrienne Louis, grand-mère pour les intimes. Une histoire poignante qui avait ému plus d'un en mars dernier. Habitant la région de Débarcadère à Pointe-aux-Sables, grand-mère vit une double peine. La tristesse de ne plus voir ses enfants et le sentiment d'avoir été négligée. Vitres cassées, toiture sous peine de dégringoler, nous y sommes allés, à sa rencontre pour constater de l'état dans lequel elle vit. Mon mari, mon mademoiselle Labille. Et combien de temps avez-vous? Quand plus qu'un 30 ans passé. Combien vous occupez sur la casa? J'ai occupé la casa depuis la terre. Et à votre lieu, trouvez où la casa est situation? Oui. Mon père, ce côté de madame, c'est madame Roland. Madame a ce petit là. Et dans le rose cueillir, je me tape sur ce parachute-là, je me monte sur le bloc. Le rose a cueilli pour monter, parce que là, je me touche à bout de béton, là, quand il y a beaucoup de coulées. Et là, mon gars était mauvais, la porte me tape sur le barrage-là. Madame l'a vu de 16 mois, je me monte sur le bloc. Oui, pour madame là. Madame là, il y a une voisine, mais. Il tombe une petite famille comme ma belle-fille. Il me demande manger tous les jours. Dans ma tête, on te demande de manger. Je me sens bien contente, madame, mademoiselle. Peut-être que je vais manger des autres tout. Oui, c'est heureusement la case, donne-moi de la case pour moi, maman. Parce que des moments, je me dormais là-dedans. Je suis venue depuis décembre. Je me fais Noël, je me fais l'année, tout là-dedans. Et là, en soi, quand je me demande, je ne peux pas me dire? Non, je ne peux pas tirer le pire. Mais quand Michelin me dit, maman, je suis le roisin crié. Laurent a fait ma plus pire. Ça, Laurent a crié sa béton contre la porte, dans la, contre le salon. Là. Je dis, ça tremblait, mademoiselle. Je dis, quoi, ça tombait. Dès que j'ai ouvert la porte, je suis sorti, je suis ouvert la porte d'entourage. Tout. Dès que j'ai tapé ça, ça là-haut. Là. Et quand j'ai tapé, je dis, madame, je n'ai pas attendu, je me monte ça bloc là. Je me redonne 10 bois, je me tape fort, et là, je tente, je dis à mon mari, je suis venu là. En fait, pour tous ceux qui viennent assister, moi, la peine, mon Dieu, pour mes tout. Moi, c'est M. Pierre Malat, je suis ingénieur de formation, je suis civil ingénieur et je travaille dans la compagnie Taïlémé Hansen. Et suite à la requête que nous avons gagnée de l'association Solidarité Moyer-Piquet et qui, pour aider Madame Louise, ben, nos compagnons disposés pour aider Madame Louise et à la mesure du possible et pour capable d'aider un petit toit.